Bleu Azur. C'est le rendez-vous qui devient incontournable de France Bleu Azur Matin, l'invité qui nous fait du bien. Et ce matin, une chanteuse niçoise, Zine. Vous avez la pression, hein, Zine. Hein. Il faut apporter du positif dans notre matin. Miss Pantaille aussi, c'est son nom. L'artiste niçoise qui rend le niçois plus accessible à tous. Parce que soit elle traduit des tubes mythiques internationaux en niçart, soit comme sa dernière chanson, elle nous propose des chansons bilingues français-niçois. Bonjour Zine. Bonjour. Et bonjour. Oui, forcément. Votre dernier message sur les réseaux sociaux était le suivant. Ciao Viva, voici mon nouveau clip en hommage au marché de Libération. Merci de la faire connaître autour de vous si vous l'appréciez, la vidéo. Bon, le message a été entendu. Hein. Oui, il y a eu... Ben, en fait, j'allais dire quand on donne avec le cœur, parce que quand même, on me présente comme une chanteuse. Je ne vais pas faire ma féministe de base. Parlez bien dans le micro. Je suis auteur, compositeur, interprète, réalisatrice. Et là, c'est un cadeau, parce qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir le prix de ce genre de... Quand on fait une prestation comme ça, un clip, une chanson, composition. Donc, j'ai eu envie de faire ce cadeau, moi, déjà, quand même, égoïstement, parce que c'est un hommage à mon grand-père. Je vais pas... Ouais, on va raconter l'histoire de la chanson. Voilà. Mais en fait, vous avez posté la chanson au début septembre. On en est à plus de 70 000 vues. J'ai vu ce matin 1500 partages. Mais je pense que c'est aussi le marché de la Libération qui est important pour les Niçois, parce qu'il est en cœur de... C'est quand même le cœur de la ville. Il est très beau. Il y a beaucoup de monde qui passe, c'est un axe central et c'est ça qui... Et après, la joie, l'élan que j'ai réussi à mettre dans le clip et dans la chanson. Dans ce clip, il y a l'ambiance, les odeurs, les couleurs du marché, Libé. Vous nous confiez aussi un petit peu votre histoire alors, votre grand-père. Mon grand-père est aussi, là je l'ai, parce que j'ai été interviewée pas mal de fois vu que ça a fait le buzz, mais ça je ne l'ai pas dit, comme je suis née au Maroc, le marché, j'ai envie de le dire, c'est important parce qu'on a besoin d'unifier aussi le pays, puisqu'on parle de séparatisme. Tous les marchés en fait de la Méditerranée se ressemblent avec des fruits, des odeurs, des couleurs, et je tiens à dire, puisqu'en niçois, babazouk, ça vient de l'arabe babzouk. Donc c'est le vieux Nice en niçois, babazouk. Voilà, c'est le vieux Nice, et babzouk, c'est la porte du marché en arabe, donc on voit que même dans la langue niçoise, il y avait déjà des emprunts à la langue arabe. Et donc moi, étant née au Maroc, c'est vrai que ces histoires d'odeurs et de couleurs, c'était quand j'étais petite à Tanger. Et voilà. Votre grand-père, il vendait quoi sur le marché? Alors de l'autre côté, oui, du côté donc de ma mère, mon grand-père donc venait du Piémont, c'était un producteur, donc il a tout fait. C'est-à-dire qu'après la guerre, il a commencé par faire de l'élevage de chiens, vu que les chiens avaient été utilisés comme aliments. Il n'y en avait plus. Voilà. C'est ça. Au petit déjeuner. Bon petit déjeuner à tout le monde. C'est-à-dire qu'il fallait repeupler. Il n'y avait plus de chiens. Ils avaient été mangés. Les gens. Et après, ils vendaient des œufs, parce que dans la chanson. Les œillets, les légumes, l'huile d'olive, le beurre, le fromage aussi. Et les œufs, c'était ce qu'il a fait à la fin, parce que c'était le plus simple. Sur les 10 dernières années, et puis il y avait encore un peu les fruitiers qui donnaient. On écoute un extrait de cette chanson que vous partagez, que vous n'arrêtez pas de partager sur les réseaux sociaux. Le monde va sur le marché de la Libé. Alors c'est vrai que c'est un clip, c'est une vidéo et on voit la gare du Sud, on voit les étals, on vous voit danser au milieu des cagettes. Enfin, c'est ça, oui. Zine, c'est de la joie. Mais c'est On voit ces vidéos, Zine, c'est de la joie. Ben c'est ça que vous transmettez en fait. J'essaye, si j'ouvre la bouche, en artiste, j'essaye. Mais j'ai eu des périodes sombres aussi. J'ai fait des chansons énervées un peu plus jeunes ou des chansons dépressives. J'ai eu ma période comme ça. Mais là, c'est vrai que j'en arrive à un point où je disais, il ne reste plus que ça. Enfin, à un moment donné, il faut arriver à... Là, il s'accourt et laisser courir. Et... Je pense que ce qui a plu aux gens aussi, j'ai envie de le dire, c'est un peu la résistance. Parce que finalement, le paysan, il revient, il produit à manger. Mais c'est la résistance de garder la joie. Et alors, par rapport à ça, je danse dans le clip. C'est ce Saber, parce qu'il s'appelle Saber, je ne le savais même pas, qui m'a vu commencer à filmer et tout. C'est lui qui... Ah, c'est un des passants, en fait, que l'on voit dans non, le clip. C'est un maraîcher. Et donc, lui, tous ses copains, après, ils ont aussi contribué à faire le buzz, parce que tous ceux du marché étaient super contents. Bon. Il ne savait pas que je faisais un clip. Il a voulu faire, parce que c'est un peu un dragueur, il fait mais avec les mamies aussi, il le fait. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est pas... Là, il était content sincère, parce que j'avais une belle robe rouge, mais il danse avec tout le monde. Et du coup, on a ça dans le clip. Pareil, pour vous ne pourrez pas l'arrêter. Beaucoup, hein. Elle s'appelle comment, la chanson, Zine? Elle s'appelle comment? Aoumerkat et Delalibé. Et vous la retrouvez sur Internet. Vous allez sur la page Facebook de Zine. On va vous la mettre aussi sur francebleu.fr. Elle est sur France 3 Côte d'Azur aussi. Elle fait le buzz. On est à 70 000. Il faut que vendredi, on soit à 90 000, 100 000 partages, 100 000 vues. 100 000, ça vous irait? Bon, allez.
terminez, faites-nous le jingle France Bleu à la guitare et on vous remercie. Oh, Zine. Je voulais faire pour montrer comment au départ c'est simple en fait de composer, enfin revenir à cette simplicité. Ça fait Aou Mercaté de la Libé, ils sont doudou et des coulous. Aou Mercaté de la Libé, ils sont des joyas des cadajou. Zine ce matin sur France 3 Côte d'Azur. A tout de suite pour le journal. France Bleu Azur matin sur Twitter en un clic.